Messieurs, avant de poursuivre mon exposé, je vais rendre la parole à notre président, M. Delaunoy, qui désire vous faire une communication. Messieurs, j'ai la satisfaction de vous annoncer que les Lloyds de Londres, nos assureurs, viennent de nous faire parvenir la somme de 5 225 000 nouveaux francs, reliquat de notre assurance. L'indemnité de 1 525 millions. So, the money is lost. This is a last chance, Sir Callaghan. And where is Callaghan? In Paris. Nick Nicholson is going to explain everything. Oh, good. Tu n'as rien compris, Slim. Je recommence. 50 000 livres de prime si tu éclaircis le mystère et 10 000 livres même si tu te perds dans le brouillard. Donc 10 000 livres au minimum. Alors, c'est oui. C'est non, bien sûr. La région te monte à la tête. Tu vieillis, mon vieux Nick. Non, je rêve. Tiens, moi un coup. Ça va te réveiller. Je suis sur le point de posséder Ray Rolando et ses catcheurs à la gomme. Je ne peux pas abandonner mon ami Rolando au moment le plus intéressant, le plus amusant, pour m'occuper d'une histoire qui remonte à la conquête de l'Angleterre. Oh, mais c'est une histoire formidable, Slim. 1,5 milliard de diamants bruts changés en morceaux de sucre entre Bangui et Orly. Les Lloyds ont dû casquer. Tu les connais, c'est un genre de plaisanterie auquel ils sont imperméables. C'est pourquoi ils t'offrent 750 000 nouveaux francs si tu expliques cette jolie transformation. 750 000 nouveaux francs, Slim. C'est préhistorique, ça? Tu parles toujours d'argent. Des morceaux de sucre. Donne-moi 48 heures et je te promets de m'occuper de tes morceaux de sucre. Enfin. Dans 48 heures, j'aurai terminé avec M. Rolando. C'est le boss numéro un du catch, M. Racket. Oh, son principe est excellent. Il organise les victoires avant les combats et selon les paris. Même pour le championnat du monde? Oh, si. Mais la cote est très nettement en faveur du masque aux dents blanches. À 10 contre 1. Et alors, c'est le barbu de l'Arizona qui va gagner. Hier soir, je l'ai filé. Il est tellement sûr de son coup qu'il s'est saoulé comme un amerloc au bar du Rigodon. J'avais emmené Carola. Elle a tombé en 3 battements de paupières. Je les ai laissés en tête à tête. Tu emploies ta secrétaire à séduire les barbus de l'Arizona maintenant? Oh, t'inquiète pas. Elle m'a déjà parlé d'un petit tailleur bleu avec des machins blancs un peu partout. Ah. Allez, viens. J'ai rendez-vous avec elle. J'ai vraiment très envie de savoir ce que le barbu lui a raconté. Ni, par exemple, encore une histoire? Ah oui, une histoire sucrée. Alors, je lui raconte? Plus tard, chacun son tour. Alors, cette nuit, le barbu. Un mot à la minute, j'aurais pu le prendre en sténo. Mais quand je l'ai mis en boîte sur sa façon spéciale de s'entraîner en buvant des scotch, là, c'est franchement détendu. Il m'a dit d'une seule traite, te casse pas la tête. Si tu as des économies, tu peux les miser sur ma barbe. Pour lui, c'était un véritable discours. Lui avez-vous parlé de la cote qui le donne perdant à 10 contre 1? Oui, et j'ai obtenu le parfait silence. Après ça, j'ai eu beau lui décrire en détail mon futur tailleur bleu outre-mer. Il n'a plus ouvert la bouche que pour laisser scotch. Quand je l'ai quitté, il en avait bu 62. Pauvre Nick, qu'est-ce que vous avez comme retard? Ah non, moi je suis un buveur de fond. La vitesse ne m'intéresse pas. J'aurai besoin de vous demain soir. On va faire ce qu'il faut pour que ce gars-là ne soit pas champion du monde. Barbu de l'Arizona contre le masque aux dents blanches. Ça va barrer, comme dirait l'autre.
Je suis le masque aux dents blanches, le justicier de l'au-delà. Oui, en forme. Il est formidable. Caltez, vous autres. Bon, parfait. Une dernière fois, je vous rappelle le scénario, hein. 10 minutes pour chauffer la salle. Après, vous allez 3 fois au tapis et 3 fois dans les fauteuils. Surtout, n'oubliez pas le côté dramatique dans le suspense. Moi, j'observe la salle et je juge. À un moment, je retire mon gant comme ceci, vous voyez. La main gauche. N'oubliez pas, la main gauche. C'est difficile, ça, dites donc. Voyons, où est ma main gauche? Là? Mais non, voyons. Là, c'est repéré. Tout va bien qu'il a compris. Il a compris. Bon, ça va. Je retire mon gant et vous lui faites un bras roulé. Joliment roulé, bien entendu. Il va au tapis pour le compte et c'est fini. Compris? C'est bien joli, tout ça, mais... Et mon oseille? Enfin, voilà le million que je vous ai promis. Je ne compte pas. J'ai confiance. Un baron. Bien, mon petit. Eh bien, Monsieur Callaghan s'est donné beaucoup de mal pour rien. Ça y est, patron. Les fleurs sont envoyées. Eh bien, bravo. C'est moi, Bijou. Attendez-moi, je viens. Dépêche-toi, l'entracte va être fini. Tu ne me dis plus tu? Ta gueule. Ah bon, j'aime mieux ça. Alors, mon vieux Bijou, ça va? Dis donc, mais t'as un drôle d'accent. Oh, c'est le trac. Ah, de la part du baron. Fais gaffe à ces gambeurs frais. Allez, ben, magne-toi, voyons. Mais tu es folle, Clémentine. Mais laisse-moi! Mais c'est imbécile! L'arbitre en prison. Roulons. Un combat international en ce monde.
blanche et une belle, si bien lieu, comptant pour le championnat du monde, entre le barbu de l'Arizona, terreur de la prairie, et le mystérieux masque aux dents blanches, justicier de l'au-delà. Tu me fais un peu gueuler pour la galerie. Compte sur moi, je suis cruel. Ne me défrise pas ce soir. J'ai rancœur. Daigno! Toi, ton girl, occupe-toi de tes oignons. Mais non, il fait ça pour le suspense. Allez, allez, remontez. Allez! Remontez sur le ring! J'ai enlevé mon gant! Oh, laisse-moi, je vais découper la barbe, salaud! Je ne mettrai plus les pieds dans cette baraque! Fous-moi la paix! Fous-moi la paix, Clémentine! Prosper, saucisse! Attention, il va enlever son gant. Fais pas de blague, tu te laisses contrer, tu te couches. Ça y est, c'est à moi. À moi.
millions de vieux francs pour vous laisser battre et vous me doubler. Et moi, je perds 500 000 nouveaux francs dans l'affaire. Ça va pas se passer comme ça. L'affaire ne s'arrêtera pas là, monsieur Rolando. Vous avez avoué chez des témoins. Cette fois, c'est la prison. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je prends une douche avec ma secrétaire. Je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un vendu. Tu m'as drogué, salaud. Tiens, le voilà. Justicier de l'au-delà! Vous êtes gentil d'être venu. Va-t'en, Satan! Oh! Oh, vous, ça suffit comme ça! Vous êtes suspendu! Comment? Moi, suspendu? Oh! Mais vous êtes fou, c'est le président, voyons! Ah, le président! Oui! Oh, ça suffit comme ça! Ça suffit! Va des retours, Satanas! Amen! Vous allez voir. S'il vous plaît, baissez-vous. Baissez-vous et tirez. Tirez légèrement à vous. Vous n'en faites jamais d'autre. Quoi? Heureusement qu'elle est en location. Pauvre Rolando. Beaucoup de bruit pour rien. Non, non, c'est moi qui vous remercie. L'assurance a payé, mais nous avons tout de même subi un préjudice moral très important. Votre succès sera donc le nôtre. Nos bureaux vous sont ouverts. Vous êtes chez vous. Conduisez, monsieur. Bonne chance. Merci, monsieur le directeur. Carola, c'est en place? Ça arrive, ça arrive. C'est très drôle que tu n'aies jamais été enrhumé, toi. Bon, alors tous ceux qui ont participé il y a 5 ans à la disparition des diamants, 15 250 carats, sont là. Arnaud, pilote de l'avion Brazzaville, Bangui, Paris, toujours en fonction. Pélissier, copilote, toujours en fonction. Richard, radio, actuellement à Air France. Muriel Lafitte, hôtesse de l'air, encore célibataire. Excellente performance pour une hôtesse de l'air. Continue. Marguerite Tirola, secrétaire à la compagnie Haute Sangha à Bangui. A quitté la compagnie, s'est mariée récemment. Villerobert, directeur régional à Bangui, a démissionné quelques mois après l'affaire pour raison de santé. Mort en France dans un accident d'auto. En somme, rien de curieux à part Villerobert. Le mort, on ne voit pas l'intérêt qu'il offre. Mon petit, un mort est toujours intéressant. Pensez à tout ce qu'il n'a pas eu le temps de dire. Et puis le Robert. Aucune faute n'a été relevée contre Villerobert lors de la mise sous scellé des diamants. Excellent collaborateur. Il a quitté la compagnie de son plein gré pour raison de santé. Paludisme, amibe, mort accidentellement, voire dossier annexe. Fils unique, célibataire, sa mère vit toujours à Aix-en-Provence. 25 rue de la Trésorerie, voilà. Vous me sortirez le dossier de l'accident. Bien, monsieur. Moi, je vais faire un petit tour à Aix pour voir cette vieille dame. Pendant ce temps-là, tu iras faire une petite visite au bureau des mines. Compris. Je demanderai la liste des concessions accordées depuis 5 ans. Et aussi? Et aussi les résultats d'exploitation au service des statistiques. Un vrai boulot d'archiviste. Les histoires font partie aussi des archives. Oh, mais je ne suis pas du tout d'accord.
Mon aventure de Norvège n'en sortait certainement pas. Elle était grande, blonde, des yeux pervenches, pervers. Allez, mon vieux, allez, bois un coup, hein. Remets-toi, ça va se passer. Va. Aix-en-Provence est partie d'une ville charmante. Quand partons-nous? Je pars tout de suite. Ah, bon, parfait. Et vous enverrez les cartes postales. Tiens, c'est amusant. Oui, c'est une question qui l'intéressait beaucoup. Voici sa dernière photographie. Il s'était laissé pousser la barbe? Oui, à Bangui. Il l'avait conservée. Moi, je le préférais sans. Je le chicanais souvent. Finalement, il l'a fait couper, peu de temps avant son accident. J'ai une curieuse impression. Laquelle? Il m'est très difficile de vous la dire. Mais si, dites! Dites! Allons. Je ne crois pas que votre fils soit mort de cet accident. Comment ça? Il a manqué un virage la nuit dans les calanques de l'Estérel. Ça, c'est la thèse officielle. Mais moi, je pense que quelqu'un lui a fait manquer le virage. Qui? Mon fils n'avait que des amis, monsieur. Il n'avait pas de malice. À Bangui, tout le monde l'adorait. Et sur la côte, où il avait pris une représentation, sa disparition a causé une profonde émotion. Vous pouvez vous renseigner? Je m'excuse pour cette question, mais je vais vous la poser. On l'a retrouvé par 20 mètres de fond à l'intérieur de sa voiture. Est-ce vous qui l'avez reconnu? Oui, il avait été à moitié défiguré par les murènes. Mais c'était lui tout de même. Il avait autour du cou la médaille qu'il portait depuis son enfance. Et puis tous ses papiers dans son portefeuille. Avec ses petits souvenirs. Oui, bien sûr. Alors, une dernière question. À propos du vol de diamants, qu'est-ce qu'elle disait? Il avait son idée. Quelle idée? C'est délicat à dire. Je ne voudrais pas avoir l'air de porter une accusation. Madame, je suis un détective privé. Nous avons donc un entretien privé. Il avait la conviction que le vol avait eu lieu dans l'avion. Dans l'avion? C'est très intéressant. Ça m'aidera peut-être à trouver la vérité. Avant de partir, monsieur, n'accepteriez-vous pas un doigt de sirop de citron? Du citron? Non, merci, madame. Jamais on ne l'air pas. Et c'est comme ça que tout a commencé, le whisky et moi. Voyons, enchaînons. Salut. Déjà? Bonjour, monsieur. Et merci. Aix est vraiment une jolie ville. Oh, pardon, j'oubliais. Voici, c'est pour vous, une visite complète de la ville. Tu as reçu mon message? Non. Rolando est en liberté sous caution. La caution a été payée par sa chérie, Ruby, dite la dorure. Bon, je ferai attention, vois-tu, hein? J'ai eu des renseignements intéressants. Attends, voyons. Oh, patiente une seconde. Je n'ai pas encore déjeuné. Bon appétit. Merci. Alors, vas-y. Bon. Eh bien, j'ai trouvé son nom sur la liste des concessionnaires. Et de tous, c'est lui qui m'a intrigué. Jeff Morand, c'est un ancien navigateur qui a découvert des diamants au Gabon dans la rivière Mopi. Et alors? Tu connais mon portrait quand j'étais à Scotland Yard? Ah oui, il y a 20 ans. Oui. Il était signé Mopi, Sylvie Mopi, Sylvie. Un petit être adorable. Et c'est cette similitude de nom qui m'a frappé. Sherlock Holmes. Oh, écoute, ne m'interromps pas tout le temps. Bon, je continue. Et des diamants dans la rivière Mopi. Et un coup de chance énorme pour ce monsieur Morand. Prospection première année, 4250 carats de diamants bruts. Deuxième année, 8125. Un bon filon. Ah, d'accord, je le croyais aussi, mais les titres viennent brusquement de s'effondrer en bourse. 21 000 titres vendus. Quel détail sur Morand? Eh bien, c'est un Australien, naturalisé français, gros train de vie, villa Beaulieu, yacht, etc. Il est marié à une splendide créature qui s'appelle Maggie. C'est énervant, ça. Sauf le respect que je vous dois, je me demande ce qui pousse les gens à vous confier des enquêtes, Mr. Callaghan. Je me le demande aussi. Et mes renseignements dépeignent Morand comme très dépensier, joueur et amateur de belles filles. Ah, vous avez entendu ça? Je ne suis pas sourde.
Par représailles ou par inclination, sa femme ne serait pas indifférente au charme masculin. Et pour toute mission spéciale, je suis à ta disposition. Merci pour ton dévouement. Mais c'est un travail qui a ses périls. Moi, je me le réserve. Toi, tu surveilles Rolando. Bon. Ah, dis donc, tu pourrais demander une photocopie des empreintes de Jeff Moran au service des naturalisations. C'est déjà fait, monsieur Callaghan. Mon cher vieux Nick, sans toi, je ne serais pas monsieur Callaghan. Vous préparez vos valises. Bravo. Où allons-nous? Comme disait le bourreau, qui vivra, verra. Étoile barbu, qu'est-ce que tu veux boire? Un quinquina. Et pour le justicier, qu'est-ce que ce sera? Un verre de lacryma Christi. Baron. Qu'est-il? Callaghan s'est tiré avec une souris. J'en prie, parlez correctement. Il y a une dame. Monsieur Callaghan est parti avec sa secrétaire. Sa secrétaire? Ça me fait rire. Eh bien, riez, cher ami, riez. Et pour vous, s'il vous plaît? Il a pris le fusain. Comment? Enfin, l'avion pour Nice. Ah, parfait. Parfait pour qui? Pour lui? Non, pour moi, mon petit poulet. Tu comptes trop sur toi avec Callaghan. Il te coûte quand même pas mal de pépites, non? T'as fait sauter sa voiture, d'accord. Mais il n'était même pas dedans. Et puis, je lui prépare une autre surprise. Cette fois-là, M. Callaghan va me rembourser les 50 millions qu'il me doit. Tu causes bien. Ah, toi, la ferme, ça va, hein? J'en ai dressé d'autres, des caïds, avec des têtes grosses comme ça. Ils m'ont demandé pardon à genoux. Dis donc, le merveilleux. Appelle-moi le vicomte à Nice. Je vais la franchir au bignot. Non, mais c'est vrai, quoi! Des perruches comme ça, ça vous ferait sortir de vos gonds. On deviendrait vulgaire, ma parole. T'es beau comme ça. Si vous descendez à Nice, baron, j'en suis, je paie ma place. Suspendu pour 2 ans. Je lui ferai bouffer mon barbe à ce salopard. Je la paye aussi. Je veux l'exorciser. À coups de pied dans les fesses. Vous voyez ce bateau là-bas, blanc? Oui. C'est le Xanthia. Oh. Préparez-vous. Attention, vous êtes prête? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces deux-là? Ça y est, elle a gagné. Mettez le dinghy à la mer! Allez, dépêchez-vous! Oh, tu as vu, darling? Oui, darling. C'est un diamant admirable. Blanc, presque bleu. Non, c'est un blanc bleu véritable. Il vient d'une concession que j'ai eue au Gabon sur la rivière Mopi. J'ai 3 autres diamants ici qui sont aussi beaux. Oh, tu entends, darling? Dis-moi que je ne rêve pas. Non, darling, tu ne rêves pas. Voulez-vous les voir? Rien de plus facile. Oh, tu permets, darling? Oh, bien sûr, darling. Votre femme est amusante. Ne vous y fiez pas. Elle a des côtés terribles. Ah. Elle vit dans l'émotion, comme vous. Vous vivez en Afrique, parce que vous vivez en Afrique, n'est-ce pas? Nous y avons beaucoup vécu, mais j'espère bien ne plus y remettre les pieds. Mon mari ira tout seul si ça lui chante. Je comprends, le mariage n'est pas toujours drôle. Ainsi, ma femme adore la télévision. Elle en est folle. Moi, j'en ai horreur. Ça n'a l'air de rien, ces petites choses-là, mais ça finit par faire des drames. Vous en avez beaucoup comme ça? J'en ai d'autres. C'est bouleversant. Vous êtes un vrai magicien. Magicien, pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression d'être transporté dans un conte de fées. Mais il ne tient qu'à vous de le vivre. Oh, vous ne parlez pas sérieusement? Je vous ai tout de suite trouvé très belle. Et je connais la question. Oh, je n'en doute pas. Laissez-moi vous gâter. Vous ne le regretterez pas.
Il est jaloux comme un léopard. Il a un peu raison. Maggie, nous pourrions offrir l'hospitalité à nos amis jusqu'à demain. Mais avec joie, mon chéri. Alors vous acceptez. Ce serait atrocement romantique, n'est-ce pas, darling? Certainement, darling. Mais n'oublie pas que Nick, ton père, doit nous téléphoner. Il le rappellera. Je ne résiste pas. Ce serait inutile. Je vous prêterai un pyjama, mon vieux. Et moi, une chemise de nuit adorable. Je vous le laisse et je vais coucher au pied du lit. Vous craignez quoi? Je vous ai toujours respecté. Tenez, plaçons ce coussin entre nous deux. Comme ça, chacun chez soi. Au fait, j'espère que vous ne ronflez pas. Et vous? Moi? Oh oui, c'est vrai. Oh. J'oubliais, les femmes ne ronflent jamais. Reprendons cette conversation tout à l'heure. Surtout, ne touchez pas à ce verre. Il y a dessus des empreintes qui m'intéressent. Chère madame, je n'ai jamais vu la beauté et le diamant s'harmoniser aussi parfaitement. Merci, vicomte. Que désirez-vous? Whisky, champagne? Whisky. Es aquí, señor. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Je sais, mais Boris n'est pas satisfait de cette explication. Eh bien, tant pis. Je ne peux pas lui en dire plus pour l'instant. Le reste viendra avec les comptes. Je les attends. Je ne comprends pas le sens de cette précipitation. Boris a jeté quelque 20 000 titres en quelques jours sur le marché. Il a donc encaissé 450 millions. C'est très exact, monsieur Morand. Mais vous, vous avez vendu en 2 ans 8 600 carats de diamants à 150 000 francs au minimum. Total, 1 milliard 290 millions de francs. Comme vous êtes associé, c'est tout de même vous qui êtes le débiteur. Et nos frais? Monsieur Boris oublie nos frais? Notre train de vie en rapport avec l'importance de cette affaire? Chère madame, ne compliquez pas ma position, elle est déjà très délicate. Boris est pour moi un ami qui met de l'argent dans mes entreprises et vous m'êtes sympathique, très sympathique. C'est pourquoi je conseille d'éviter toute discussion. On ne sait jamais comment on peut finir une discussion. Nous voici aux menaces. Vous direz à Boris que j'ai déposé une lettre en lieu sûr. S'il m'arrivait une chose désagréable, cette lettre ferait son chemin. Quelle idée, monsieur Morand. Boris ne vous veut que des choses agréables. Et la preuve qu'il est à vos côtés, c'est qu'il m'a chargé de vous remettre ceci. Attention, Callaghan remet ça. Callaghan? Je ne connais pas. Méfiez-vous tout de même. C'est un petit gars ambitieux qui a un vice terrible, la curiosité. Es ist hier, mein Herr. Dankeschön. Bitte schön. Excusez-moi, mon cher. Callaghan est sur la côte. Je le sais par mon ami le baron Rolando de Montepiccioli, à qui il a fait perdre 50 millions et qui le recherche d'ailleurs pour le remercier. Comment est-il, ce Callaghan? Venez chez moi, je vous présenterai Rolando, il vous fera son portrait. Il l'a sur le cœur. Vous trouverez en lui un allié. Merci de votre invitation, mon cher. Mais chaque fois que je vais à votre cercle, j'en suis de plusieurs millions. Tu es trop heureux en amour, chérie. Ah, ça doit être ça. Voilà ce que je vous propose. Venez vendredi à notre villa de Beaulieu. Nous donnons une fête amusante. Amenez votre ami, nous parlons de M. Callaghan. Comme il vous plaira. Et pour Boris, la réponse? Il doit m'appeler cette nuit. Dites-lui que je suis prêt à faire les comptes, mais pas sous la menace. Jamais sous la menace. Réflexion faite, je vais coucher sur le tapis.
Vous me connaissez, je suis courageux, mais pas téméraire. Joseph, va. Je me demande ce qu'il pouvait bien se dire à cette fois-là. Il se racontait les derniers potins de la commère. Chaque fois que je marche dans un corridor, il y a quelqu'un qui m'enferme dans les waters. Mon Dieu, les hommes intelligents peuvent être bêtes. Au revoir! Au revoir! Au revoir! À bientôt! Tenez, lisez-moi ce billet. Bien, Monsieur Callaghan. Maggie Morand me l'a glissé dans la main. Je serai demain à 11h au marché aux poissons. Venez, il faut que je vous parle. Votre avis sur ce billet? Très simple. Elle vous aime, une ancienne marchande de poissons. Elle combine un pèlerinage et une aventure. Elle a surtout peur de se noyer, mon petit. Elle me prend pour une bouée. D'être venu. Je suppose que ce rendez-vous vous a surpris, mais je ne suis libre que le matin et très peu de temps. Votre mari est si terrible. Il ne me laisse pour ainsi dire jamais seule. À cause de vos diamants? Il a peur des voleurs? Ne plaisantez pas et ne parlons pas de diamants. C'est difficile. Je pense que tout vient de là. Tout quoi? Votre drame sentimental. Il a dû commencer sur la rivière Moby. Laissons cela. Il y a des choses que je voudrais vous dire, mais avant je dois vous poser une question. Êtes-vous heureux avec votre femme? La nuit que j'ai passée sur votre yacht, vous savez où je l'ai passée? Dans la cabine, je suppose. Ah oui, mais sur la descente de l'île. Ma femme et moi, nous ne sommes jamais sur le même plan. Alors, l'amour, n'est-ce pas? Monsieur McConnor, l'atmosphère où je vis est irrespirable. Mon mari me fait peur et je... Ce que je vous dis n'a pas l'air de vous intéresser. Au contraire, hein? C'est passionnant. Je connais des tas de gens dans ce marché. Je ne voudrais pas vous compromettre. On parlera de tout ça. Excusez-moi. Yeah!
copie de l'acte de naturalisation, dossier Morand. Ceci, dossier Villerobert, copie du livret militaire. Et empreinte digitale. Voilà. À votre avis, Villerobert a été assassiné? Je n'y vois pas d'inconvénient. Il faudrait donc admettre que les deux hommes étaient en relation à l'époque du vol. Je l'admets. Bon, alors expliquez-moi. Villerobert était à Bangui. Jeff Moran, navigateur, faisait le tour du monde. Ça rend les rencontres difficiles. Je suis né à Toronto, Canada. Ce flacon de whisky de Johnny Walker vient d'Écosse et ce verre d'un bazar du boulevard Poissonnière. Tous les trois, nous nous sommes rencontrés. Ce n'est pas un miracle. Bah, disons une coïncidence qui a pu avoir lieu aussi entre Jeff Moran et Villerobert. Et Slim, qu'est-ce qu'il a trouvé? Monsieur Callaghan a, paraît-il, une solution pour le sucre qu'il espérait vérifier ce matin au marché aux poissons. Ah. Vous connaissez la femme de Jeff Moran? Maggie? Oui. Pas du tout, non. Une intrigante. Laide à faire peur et idiote à couper au couteau. Slim n'a aucun goût. Ouf! Ah! Hello, Nick. Bon voyage. Splendide. 1h20 par caravelle. Tu te parfumes à l'huile de foie de morue, toi? Oui, merci, je suis au courant. C'est le parfum préféré de Madame Moran? Mais oui, ça change un peu. J'ai donné à Carola tous les papiers. Ah, autre chose, Rolando a quitté Paris, il va peut-être descendre sur la côte. Nous nous sommes déjà rencontrés au marché aux poissons. Les poissons ont dû être contents. C'est Maggie Moran qui avait organisé le rendez-vous? Je ne crois pas. Elle aurait cherché un coin plus tranquille. Un cimetière, par exemple. Voilà, pour avoir mon dernier mot. Non, non, non. J'ai horreur de ce genre de plaisanterie. Alors, ne le faites pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, la photo de Jeff Moran du dossier de naturalisation. Tu as reçu des tuyaux sur les titres? Les cours se sont effondrés d'un seul coup. Quelqu'un a su qu'il n'y avait plus rien dans cette rivière Maupi, et il l'a dit. C'est quelqu'un, c'est peut-être Jeff Moran lui-même. Non, à mon avis, Moran s'est contenté de la vente des diamants bruts. Non, le coup des titres vient d'ailleurs. Ou alors, si les affaires sont liées, le vol, la concession, la vente des pierres et la liquidation des titres, chapeau. Nous sommes devant la plus belle escroquerie du siècle. Il ne lui manque que quelques petits cadavres pour être un chef-d'œuvre. Que... Patience. Tu auras aussi des cadavres. Ah, non, c'est intolérable. Cher enfant, ne vous énervez pas. Écoutez plutôt. Sir MacConnor et Lady sont invités à la soirée travestie donnée à Beaulieu par M. Jeff Moran et Madame en leur villa Carioca. Et tu n'es pas invité. Mais tu viendras quand même, je t'expliquerai plus tard. Et pour nos travestis, vous avez des idées? Je vois un fakir et une dame de l'armée du salut. Ah, oh, charmant. Sir MacConnor et Lady. Major Templeton. Major Templeton. Mon oncle. How do you do? Ravi. Compliment. Vous savez qu'un bijou est offert aux meilleurs travestis. C'est une idée de Maggie. Les hommes en femmes et les femmes en hommes. Chérie, présente Sir MacConnor à nos amis. Vicomte de Saint-Foin. Baron Rolando de Montepiccioli. Baron et baronne Rolando de... Montepiccioli. Montepiccioli. Et leurs amis. Cher ami, voici mon ami qui est l'ami du fameux Callaghan. Nous parlerons de ce gentleman un peu plus tard. J'aimerais vous présenter Sir MacConnor et sa charmante épouse. Hé, hey, regardez la môme là-bas. Fringant l'armée du salut. Callaghan, cette fois, il le bouffera, mon barbe. Mollo, mollo, pas de précipitation. Je ne sais pas si vous connaissez le baron Rolando de... Montepiccioli et des amis. Je crois, baron, que nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, à la partie du duc de Windsor, non? Chérie, tu te souviens, c'est le soir où tu avais fait le tour des petits paquets. Vous connaissez? Oh. Non. Non, je ne crois pas. Oh, darling, il faut absolument le faire ce soir. Hein? Oh, bien sûr. Je vais préparer la table magique. Oh, justement, le voici. Vous verrez, ça donne une ambiance extraordinaire.
Mon mari a appris par le journal la rixe du marché aux poissons. Je ne lui ai pas dit que j'y étais. Vous avez bien fait, Marguerite. Marguerite? Pourquoi Marguerite? Parce que Maggie est le diminutif du prénom anglais Margaret. En France, on dit Marguerite, comme vous êtes française. On m'a toujours appelée Maggie. Même quand vous étiez mademoiselle Marguerite Tirola, secrétaire de Monsieur Bill Robert à Bangui. Qui vous a appris cela? Tout, je sais. Pauvre Bill Robert, il était gentil. Monsieur Bill Robert était pour moi un ami. Sa mort m'a beaucoup peinée. J'étais sûr de cette réponse. Vous connaissez les McConnor? Mon Dieu, oui, ce sont des Anglais en vacances. C'est tout? Je peux vous donner un détail supplémentaire au sujet de leur goût. Ils adorent les poires. Plaît-il? Les poires bien mûres et bien juteuses. Comme vous, Monsieur Morand. Je ne saisis pas. Monsieur McConnor se fait appeler aussi Slim Callaghan. Quoi? Mesdames et messieurs, le fakir Blondy va avoir l'honneur d'exécuter devant vous son tour le plus fameux. Je vais vous demander de déposer dans cette boîte vos bagues, vos montres, enfin tous vos bijoux. Temps de plier délicatement ce papier. Maintenant, la ficelle, voilà qui est fait, puis de faire fondre la cire. Ne vous impatientez pas, le fakir Blondy va rentrer en action. Cette boîte, mesdames et messieurs, regardez-le bien. Elle vient d'être cachetée devant vous par mon assistant. Chai Biro, Rotan Tasha. Chami Bataro, Roboulacha. Je vous prie de constater que le cachet est toujours intact. À présent, je brise le cachet. J'ouvre la boîte. Oh, super! Vos bijoux, mesdames et messieurs, se sont transformés en morceaux de sucre. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, le célèbre fakir Brandy est un artiste honnête. Je vais à présent tenter l'expérience inverse. Soyez tous en pensée avec moi. Je me concentre. Vos montres, vos bijoux, servez-vous. Servez-vous, mesdames, messieurs. Voilà. Bravo, McConnor. Vous êtes très fort. Moi aussi, je suis très fort. Et je vais vous faire voir un drôle de tour. Mon petit poulet britannique, tu le boufferas, mon barbe. Je ne veux personne. Je le désosserai tout seul. Va donc, et boniche. La salade de fruits. Joli, 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 joli. Bébé aime charrier. Idéal pour le coupage du biberon de votre bébé. Va avoir affaire au masque aux dents blanches. Arrêtez-le, Sigismond. Empêchez-le de s'échapper. Il est derrière le rideau. Je vais l'enlever, les mecs. Il a filé dans le jardin. Faut pas qu'il sorte vivant d'ici. Le voilà. Deuxième service.
Le voilà. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle. Réponds. Oh. Salut Pataro, Roublacha, coucou. Un de mes styles bien tassé avec des biscuits olivets, un grand frasco de Chianti avec des moutons rôtis. Bis repetita placente non bis in idem. Amen. Marguerite, sois maudite, Marguerite. Allez vous autres, passez-le chacun à côté. Dépêchez-vous. Enfin, maniez-vous le train. Et tu le boufferas. Tous à la grille du parc. Allons-y. Mais qu'est-ce qui... Mais c'est un monde, ça, ces particulières qui m'ont l'air de particulier vice-versa. Article 495 sur les instruments contendant usurpation de sexe allé au violon. Continuez. J'ai compris l'astuce du vol des diamants, monsieur le juge, à Aix-en-Provence, chez la mère de Villerobert. Il y avait une photo de son fils, à 18 ans, avec un lapin dans une main et une baguette magique dans l'autre. Cette photo m'a ouvert des horizons. Je suis allé voir Inaldi, célèbre illusionniste, qui m'a montré le tour des paquets cachetés. Si j'avais été votre homme, voici comment j'aurais procédé. Sur cette table anodine, le paquet contenant dans une boîte en fer les diamants est déposé. Et ceci après la pesée. Messieurs les douaniers, voici votre dossier. La substitution est... Et vous, les douaniers et policiers, vous n'avez rien vu. Tenez, regardez ce qui s'est passé sous le dossier. Il ne me reste plus qu'à vous le donner, en le libérant moi-même de l'électro-aimant qui le tenait en place. Vous le cachetez, vous, les douaniers, en présence de l'agent d'assurance, et le remettez à l'avion. Sucre. Diamant. Diamant. Sucre. Notez que l'opération avait lieu non pas à la douane, mais comme chaque trimestre dans le bureau de Villerobert, vu la valeur de l'envoi. Une reconstitution a-t-elle eu lieu? Oui, quelques jours après. Plus qu'il n'en fallait pour substituer une table à une autre. Ainsi donc, d'après vous, Villerobert fait le tour à douanier qu'il y voit du feu. Et deux ans plus tard, il quitte la Haute Sangha pour raison de santé et rentre en France. Mais où est Jeff Morand dans toute cette histoire? Il arrive. Villerobert, dès son retour, le rencontre, et ceci grâce à une annonce. Jeff Morand est un Australien naturalisé, il est navigateur, célibataire et cherche du travail. Le type même de l'homme sans attache. Même corpulence, même taille. Et pour Villerobert, c'est une occasion. Il amène Morand dans sa voiture et le tue la nuit dans l'Estérel. Tu vas me laisser parler, oui. Si tu mets ton accent dans cette histoire, ces messieurs n'y comprendront plus rien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et donc, il tue Morand dans l'Estérel. Le défigure avec un acide, l'habille de ses vêtements. Thank you.
Mais Madame Villerobert a reconnu le cœur de son fils. Grâce à une petite chaîne qu'il portait toujours autour du cou. Oh, on n'avait pas oublié ce détail capital. La chaîne était sur le cadavre, défigurée. Avec le portefeuille de Villerobert et d'autres petits souvenirs personnels. Et selon vous, Monsieur Jeff Morand serait en réalité Villerobert? C'est Villerobert. Pardon, continue. C'est Villerobert. Sous sa nouvelle identité, il part pour le Gabon. Il prend une concession diamantifère sur la rivière Mopi. Il n'y a pas de diamants dans la rivière Mopi. Mais Villerobert en trouve. Ce sont des diamants bruts volés. Il les vend avec certificat d'origine de sa concession. En bourse, les titres montent jusqu'au jour où un complice à lui jette un paquet d'actions sur le marché. Effondrement des cours. Mais joli bénéfice pour le vendeur. Oh, bénéfice incalculable par trois sources. Les diamants, les titres et le paiement de l'assurance par les Lloyds. Une escroquerie sensationnelle. Tout cela est possible, mais moi je ne peux pas délivrer un mandat d'arrêt sans une preuve formelle. Je l'ai. Mais nous l'avons. Voici les empreintes digitales du vrai Jeff Morand prises dans son dossier de naturalisation. Et voici les empreintes du Jeff Morand actuellement en vie. Oui, elles ont été prélevées sur un verre de whisky il y a 8 jours. Ce ne sont pas les mêmes. En revanche, voici les empreintes de Villerobert qui nous ont été communiquées par la 5e région militaire. Elles sont identiques à celles du verre. Laissez-moi ces documents, j'irai les faire examiner. Prenez vos dispositions, monsieur le commissaire. Bien, monsieur le juge. Donnez-moi la photo de Jeff Morand. Pour vous. Ah, merci. Oui? Ah bon? Merci. C'est Carola, monsieur le secrétaire. Morand et sa femme ont pris la mer avec leur bateau. Ah, bravo, c'est plus drôle, on va alerter l'Interpol. Faites établir une écoute sur le téléphone du vicomte. Ce sera plus prudent. Signalez aussi le yacht à tous les ports de la Méditerranée. Comptez sur moi, monsieur le juge. Il sera vite repéré. Signora, ritorni nella sua cabina. Buongiorno, signor ispettore. Buongiorno, signore. Suicide? Non, meurtre. Il l'a tué. Il l'a tué. Qui l'a tué? Boris. Allez dans votre cabine. Je vous rejoins. Il ne faut toucher à rien. Va alerter le commissaire divisionnaire et l'identité judiciaire. Et presto, presto! Et nous sommes qui pour déguster les gelati, non? Le photographe de l'anthropométrie pourra-t-il nous donner des duplicatas? Ma commissaire, il est à la votre disposition. Que malheur. Et moi qui devais sortir comme une belle ragazzina ce soir. Que malheur. Ah, mais que je la retrouverai demain. Ma ne touchez pas! À tout à l'heure. Entrez. Saviez-vous que Villerobert avait assassiné Jeff Morand? Il m'a toujours dit que Morand était mort dans un accident, qu'il avait eu alors l'idée de prendre son identité. Il a eu l'idée avant. C'est plus grave. Je vous jure que j'ignorais.
vous ne me croyez pas? Je vous répondrai tout à l'heure. Qui est Boris? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ça commence mal. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que c'est lui qui a tout organisé. Même le vol? Oui. Mais c'est Will Robert qui l'a commis. Oui. Pourquoi avez-vous dit Boris l'a tué? Parce que Will Robert le craignait. Il avait écrit une lettre et m'avait demandé de la remettre à la police, s'il lui arrivait quelque chose. Où est cette lettre? À la Villa Carioca, dans un coffre. Pourquoi l'avez-vous laissée là-bas? Nous sommes partis très vite, Will Robert était affolé. Il était certain que vous aviez tout découvert. Où se trouve exactement le coffre? Dans le salon, sous l'âtre de la cheminée. Et Boris, connaissait-il l'existence de cette lettre? Will Robert en avait parlé au vicomte, mais il ignore où elle se trouve. Erreur. Il le sait. Will Robert accrochait ses clés à une petite chaîne d'or, n'est-ce pas? Oui. La chaîne est cassée. Les clés ont disparu. Ne parlez à personne de cette lettre. Je vous le promets. Monsieur Callaghan, je remets mon sort entre vos mains. C'est très gentil. Mais je crois que votre sort appartient déjà à la justice. Slim. Hello, Nick. Bonjour, Carla. Tu as tout obtenu? Les CD sont posés sur la Villa Carioca et j'ai un mandat de perquisition pour le tripot du vicomte. Pour l'instant, le mandat est inutile. Le vicomte ne te connaît pas. Tu iras ce soir au tripot, tu regarderas tout ce qui se passe, mais sans te faire remarquer. Bon. Quant à vous? Charme, illusion, souplesse, acrobatie, striptease? Vous allez rentrer à l'hôtel et vous garderez la chambre. C'est si grave, docteur.
Une, deux, trois, un jeune homme brun. Une, deux, trois, un homme de loi. Une, deux, trois, ah, je vois une femme blonde qui vous veut du bien, à la nuit. C'est Gwendoline. Une, deux, trois, attention, il y a là une femme rousse qui va brouiller les cartes. Oh, c'est Gladys, je la reconnais. Bien, recouvre-moi tout ça. Tu es déjà là? Le tripot est fermé à 2 heures. À 2 heures? Oui, le vicomte n'était pas là. Et tout d'un coup, Rolando a vidé tout le monde. Tu as vu le baron à 2 heures? Il était même nerveux. Il a dit, je crains une visite de la brigade des jeux, je veux pas avoir d'histoire, alors on va se coucher. Ça, c'était une bonne idée. J'en ai une autre. Tu vas réveiller le commissaire pour faire la perquisition tout de suite. Mais on peut rien faire avant le lever du jour. Slim, c'est la loi française. J'ai pas le temps d'attendre le soleil. Un blessé, ça peut mourir d'une minute à l'autre. Ça y est. Toujours les plaisanteries macabres. Et en pleine nuit encore. Ce n'est pas une plaisanterie. Je cherche un blessé, mon blessé. Et il est chez le vicomte. Débrouille-toi avec le commissaire, moi je file là-bas. Oh, écoute, Slim. J'ai pas le temps. Bonne nuit, Carola. Merci, monsieur Callaghan. Ni bonjour, ni bonsoir. Rien. Il peut lui arriver n'importe quoi. Je m'en balance, je m'en balance! Vous voulez que je vous aide, monsieur Callaghan? Les mains en l'air, vite. Allez, avancez, allez. Ouvrez-moi cette porte, voulez-vous? Allez, avancez! Vous cherchez quelqu'un, monsieur Callaghan? Je m'ennuyais de vous. J'ai eu beaucoup de mal à vous trouver, d'ailleurs. Maintenant, on se quitte plus. À la vie, à la mort. Fais-moi plaisir, Ray. Transforme-le en passoire.
Ne faites pas ça devant moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas être mêlé à vos histoires. Il vous sera tenu compte de vos bonnes paroles. Je témoignerai pour vous aux assises. Vous n'aurez que les travaux forcés. À perpétuité. Allez, pas de boniment. Emmenez-le faire un tour au jardin. Je vous préviens, il y a une douzaine d'inspecteurs dans la salle. C'est tout ce que tu as trouvé? Ils font un pique-nique. Ils cassent les assiettes. Amour, tu es fait. Bouge pas où tu l'as. Ça, par exemple, mais je vous croyais couché. Ben, moi aussi, on s'était trompés tous les deux. Qui est mademoiselle? La secrétaire de M. Callaghan. Ça m'a, j'ai oublié mes machines à écrire. Où est Slim? Ben, je ne sais pas, je viens d'arriver. Je n'ai rencontré qu'une potiche. C'est inquiétant, ça. Fouillons la maison. Enfoncez-moi cette porte! Allez, les mains en l'air, ne branchez pas! Désolé, commissaire, de vous avoir fait lever si tôt. Content de vous trouver encore debout. Anima, tu m'as donné chaud. Qui est celui-là? Je vous présente M. Delaunois, président de la société Haute Sangha. Il se fait appeler Boris quand ça l'arrange. Blessé par qui? Par lui. Pour une fois, c'est la vérité. Voici ma balle. Boris cherchait une lettre de Villerobert. Il n'a pas eu le temps de la prendre. C'est pour avoir cette lettre que vous avez tué Villerobert. Ah, c'est le vicomte. Je n'ai pas mis les pieds sur le bateau. Non. Vous avez tiré de l'extérieur par le hublot et vous avez pris les clés avec un petit crochet fixé à une tige de fer. C'est bien fait. Si tu m'avais écouté, il ne causerait plus. Le vicomte, le baron, la baronne et les autres dans le panier à salade. Et faites venir une ambulance pour le président. La femme rousse qui voulait du bien à Nick à la nuit. Oui, alors? Voilà. Seulement, c'était pas à Nick qu'elle voulait du bien. C'est à vous. Précieux renseignement dont je ferai mon profit. Filons. On a trouvé ces deux-là dans une chambre de bonne. Ils ronflaient comme des sonneurs. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Je demande un avocat. Je suis innocent. Téléphone à lui. Je suis le masque aux dents blanches. Le justicier de l'au-delà. Bon, j'en prends note. Le justicier du rez-de-chaussée s'occupera de vous. Alors, vous êtes content? Je suis si fatigué que je n'en sais encore rien. Au fait, il faut que je trouve une chambre. Je peux faire ça pour vous. Usez de ma douche, elle est cinglante. En outre, j'ai une excellente descente de lit. Avec tout le respect que je vous dois, vous serez en pleine sécurité. Merci, j'apprécie beaucoup, j'accepte. Tout de même, je suis un peu inquiet. Quoi? Ma chère, tout le monde vous le dira. Et il n'y a plus de respect. Vous
Attention, Rapidement. Ratez-vous, les deux comprends, de conduire.